Le mot sénoufo désignerait ceux qui se disent cultivateurs. Les sénoufos se subdivisent en plusieurs sous-groupes répandus entre les régions de Sikasso au Mali, Banfora, Sindou, Orodara et Ndorola sur le territoire du Burkina Faso, Korogo, Ferekesedoukou et Katiola en Côte d'Ivoire. Étudier et collectionner les chefs-d'œuvre d'art de ces groupes ethniques au Mali ont été 45 ans durant l'œuvre d'un père espagnol, Emilio Escudero, de la Société des missionnaires d'Afrique. Parfois les vieux ne savaient pas trop quoi faire avec les objets, surtout des objets sacrés, et ils ne voulaient pas les jeter non plus, et pas les faire vendre par leurs enfants souvent. Alors ils ont confié souvent d'objets aussi au père. Mais après aussi, le père il a acquis avec des antiquaires d'autres objets. Ici, on retrouve des objets identitaires de l'univers sénoufo. Des objets parfois très anciens et souvent retrouvés dans des conditions particulières. Vous aurez à découvrir des objets du 6e siècle ici, surtout ceux qui sont en poterie. Et beaucoup de nos paysans ont déterré ces objets, ils les ont jetés croyant que c'était des objets appartenant au génie de la brousse. Ils ne savaient pas qui les a enfouis là, mais se trouve que c'est des sites de villages anciens qui ont déguerpi et les gens ont conservé ces terres pour cultiver. Le fond du musée sénoufo est impressionnant. Des masques du culte ou de réjouissance, des instruments de musique, des armes traditionnelles, des outils de travaux domestiques ou champêtres et des statuettes parfois sacrées dont l'usage était réservé aux initiés. On y trouve aussi des vases de conserve d'une grande importance dans la société traditionnelle sénoufo. Ces vases-là contenaient des recettes magiques appartenant à toutes les communautés. Et pour les ouvrir, il fallait des initiés. Et ce n'était pas même des fétiches qui étaient visibles par tout le monde. Il fallait être un initié et occuper un certain rang dans la science occulte. Dans certains cas, c'est des médicaments qu'on mettait dans ces vases et qui servaient toute la communauté. Les objets exposés au musée sénoufo sont indicateurs du mode de vie du sénoufo d'antan. À titre d'exemple, ces lits qui servaient de civière ou encore ces vases funéraires. Bon, ça c'est des vases funéraires pour enfants. Bon, c'est une technique qui est venue de Guinée. C'est que dans le sous-sol, on a trouvé dans des cimetières ce type de vase. Alors quand un enfant mourait, alors c'est là qu'on le mettait avant de le mettre en tombe. En plus de ces objets, le Centre de recherche pour la sauvegarde et la promotion de la culture sénoufo expose aussi quelques objets d'autres ethnies du Mali. C'est là pour symboliser la diversité culturelle de notre pays. Si on connaît un peu l'histoire de Sikasso, vous avez des sénoufo, mais vous avez aussi des Samogo, vous n'êtes pas loin d'ici les Ghana, vous avez aussi des personnes qui sont venues d'ailleurs, en profondeur de la ville, de l'Empire Kong et ailleurs. Au fur et à mesure aussi avec les commerçants, vous avez des bandes. Vous avez aussi des migrants bobos, vous avez plein d'ethnies ici dans la région. Donc je crois que ça justifie énormément d'avoir d'autres objets parce que cette population est là sur place aussi. Les bâtiments et les murs de clôture du centre sont joliment décorés avec des motifs et des symboles sénoufo. Le jardin contient des statues en taille humaine représentant des personnages sénoufo dans leurs activités quotidiennes. Le musée sénoufo constitue à coup sûr une source de fierté pour les populations de la ville de Sikasso. C'est notre patrimoine et nous avons vécu de ça et c'est dans ce patrimoine que nous reconnaissons. Mais quand l'ORTM, dans sa politique culturelle, veut faire ressortir ces éléments, c'est la bienvenue parce que ça nous permet de nous revoir, ça permet à d'autres peuples de nous découvrir et de venir aussi à nous. Les objets culturels ainsi présentés sont d'une importance capitale eu égard à leur valeur socio-anthropologique et culturelle. Leur collecte et leur conservation par un particulier, de surcroît un expatrié, est un exemple encourageant de l'apport des structures privées dans la promotion de notre héritage culturel.